Du coup, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo anniversaire des abonnés. Et aujourd'hui, on va réaliser dès demain un petit peu en retard que j'ai des anniversaires des abonnés. Voilà, j'ai checké tous mes commentaires et j'ai beaucoup de demandes que je n'avais pas vues. Donc voilà, je vais essayer de rattraper au mieux mon retard. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. On a 4 petites demandes à réaliser du mois de septembre. Donc c'est parti, que la force soit avec nous pour cette petite session. Donc on va commencer tout simplement avec la demande pardon, la plus ancienne. Donc c'est une demande de la part de Ambra Penny qui nous avait demandé de gratter tout simplement un petit astro lion qui est là avec un blackjack qui est ici et un petit Vegas. Voilà, donc tout est là. Ensuite on va réaliser la demande de MKKJ MSP qui nous avait demandé de gratter un petit x20. Accompagné de 2 astros vierges, donc tout est là. Ensuite, on va réaliser la demande de. C'est de qui? Oui, de Daniel Durand du 27 septembre qui nous a demandé tout simplement un petit astro Capricorne, Team Capricorne, voilà, vous connaissez les bails. Et ensuite, on va réaliser la demande de Sylvie Théier pour son petit-fils qui nous avait demandé de gratter 2 super 10 ou 200 dans le but de faire péter les 200 euros pour les anniversaires, donc les voilà, tout simplement. Donc du coup, si toi aussi tu veux participer aux anniversaires des abonnés, c'est tout simple, il suffit de me laisser ta demande de jeu à gratter dans les commentaires. Bien entendu, elle ne doit pas dépasser 10 euros ainsi que ta date d'anniversaire, c'est très important. N'oubliez pas que les demandes qui ne seront pas complètes ne seront malheureusement pas prises en compte. Voilà. Donc c'est parti les copains, on commence avec le blackjack en espérant avoir de jolis gains. Let's go, la banque est à... Oh là 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 là, 20! Donc il nous faut absolument 21 pour gagner. Et on a 13, 16. Je trouve que depuis qu'ils ont changé l'écriture du blackjack, ils gagnent beaucoup moins. 19 et 14. Ben voilà, c'est perdant. C'est pas grave. On oublie, on passe à autre chose. Et on enchaîne avec le petit astro lion. C'est parti. Les qualités nous avons. Spirituel. Modeste. Droit et sincère. C'est perdant. Les signes, pardon, nous avons Scorpion, Balance, un Lion et un Gémeaux. C'est perdant. Et on enchaîne avec le bonus. Donc il nous faut 2 symboles de feu pour emporter l'étoile gain. Et on a le feu une fois, l'air, le feu deux fois, les copains, c'est gagnant! Hello, voilà, on a gagné l'étoile gain. Donc là, les 2 gains d'en haut, on ne les a pas gagnés. On va regarder juste pour la curiosité. Et il y avait 100 euros et 10 euros. Donc j'espère qu'on n'aura pas 2 euros en bas. Et verdict, on a bah, 2 euros en bas. Voilà, bon, c'est pas grave les copains. C'est déjà très positif. On a gagné 2 euros à l'astro, ça fait plaisir. On le met de côté et on enchaîne avec le petit Vegas qui est là. On va peut-être dézoomer un petit peu. Et on commence avec le craps où il faut que la somme des dés fasse 7. C'est parti. Donc on commence avec un 3. À côté, il nous faut un 4. Et on a un 6. C'est perdant. On continue avec le jackpot où il faut qu'on ait 3 symboles identiques alignés. Et on a un bar, une pomme et un bar. C'est perdant. Ici, on a une cerise, une fraise et un diamant. Et on continue avec... un trèfle, un 7 et un bar. C'est officiellement perdant, c'est pas grave. On continue avec le bonus, l'éternel 0. Va-t-il rester à 0? Et oui, malheureusement, il est resté à 0. C'est pas grave. On continue avec le duel. Donc, il faut qu'on ait une meilleure carte que celle de la banque. La banque est un 7. Il nous faut au moins 8. Et on a un 6, un 5... et un 2, c'est perdant. Il y avait 3 euros. Et on enchaîne avec la roulette où il faut qu'on ait un ou plusieurs numéros gagnants parmi nos mises. C'est parti. Donc les numéros gagnants, on a le 10, le 29, le 17 et le 24. C'est parti. Et on a le 16, le 7. Le 7 qui est juste à côté du 29 dans la roulette, je tiens à le dire. Et... le 18 qui est aussi juste à côté du 29 dans la roulette. Voilà, donc c'est officiellement perdant en ce qui concerne le Vegas. C'est pas grave, on oublie, hop. On passe à autre chose et on enchaîne avec
Les petits astros vierges, voilà. Donc ils sont là, on va zoomer un peu et c'est parti, les qualités nous avons. Rigoureux, émotif, attentionné et rationnel. Rien d'identique. Malheureusement, les signes, nous avons un scorpion, un vierge, deux vierges, c'est gagnant. L'astro est gagnant, ça fait plaisir. Et on a un bélier, hop, c'est super cool. Et on enchaîne avec le bonus, il faut qu'on ait les deux symboles de terre pour remporter l'étoile. Et on a l'air, le feu, l'eau et la terre, c'est perdant. Quand même, là aussi, hein, les écritures ont changé hein, dans les astros. Hein. Et on continue, on enchaîne. Donc là, on a gagné le gain 1, mais on n'a pas gagné le gain 2. Donc le gain 2, il y avait 10 euros. Et le gain 1, mystère, il y avait 4 euros. Bah écoutez, 4 euros, ça fait plaisir. On prend, on met de côté. Et écoutez, on enchaîne avec le prochain astro vierge. C'est parti. Allez, les qualités. On commence par les qualités. Nous avons flexible, attentionné, organisé et créatif. Rien d'identique malheureusement. Les signes, on a un lion, un sagittaire, un vierge et un taureau. C'est perdant. Et le jeu bonus, c'est parti. On a l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est officiellement perdant. C'est pas grave, on l'oublie, on le met à la corbeille. Et on enchaîne avec, on commence avec des grands tickets. On a le petit x20 qui est juste là en espérant avoir un joli gain. C'est parti, let's go. Les numéros gagnants, nous avons le 38, le 28, le 9, le 21 et le 26. Ok, c'est parti. 48. 52. 56, 23, 24, le 8, 33, 31, 57, le 6, 42, 34, 18, 37, 12, 41, 43, 30, 29, et dernier numéro de ce x20, on a le 46, bah écoutez, le x20 est officiellement perdant les copains, c'est pas grave, hein. Écoutez, on passe à autre chose, on oublie, et hop, on met à la corbeille, et on enchaîne avec le petit astro Capricorne, dernier astro de cette session, voilà, la team Capricorne, elle est là, et du coup, c'est parti, let's go. Les qualités nous avons, sensible, honnête, stable, et patient. Bon, rien d'identique malheureusement. Les signes, on a un Capricorne, un Vierge, un Gémeaux et deux Capricornes, les copains. Le Capricorne est gagnant. Voilà, la team Capricorne, elle est là, les copains. Et on enchaîne avec le jeu bonus. Il nous faut deux fois le symbole de terre. C'est parti. Et on a l'air, le feu, la terre une fois et l'eau. C'est perdant. Il y avait 4 euros. C'est pas grave. Donc, on a gagné le gain 1, mais on n'a pas gagné le gain 2. Donc le gain 2, il y avait 2 euros. Et qu'est-ce qu'on va avoir au gain 1? J'espère autre chose que 2 euros, les copains. Et c'est bah, 4 euros, ça fait plaisir. 4 euros pour ce petit astro Capricorne, on adore. La team Capricorne est là, toujours, et ça fait plaisir. Écoutez, on garde l'espoir, on garde la pêche, et on enchaîne avec les deux super 10 ou 200 en espérant vous vendre du rêve avec ces petits tickets. C'est parti, les numéros gagnants, nous avons le 20, le 21, le 14, le 25, le 27 et le 11. C'est parti.
49. 29. 47. 44. 36. 41. 32, grosse blague le 32. 46. 18. 31. 2. 3. Le 5. Le 15. Le 13. 23. 12. Petit 1. 19. Le 4. 33. 37. Le 6 et dernier numéro de ce super 10 ou 200, nous avons le 39. Bah écoutez, c'est officiellement perdant, c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose et on enchaîne avec le deuxième super 10 ou 200. C'est parti. Les numéros gagnants, nous avons le 25, le 29, le 42, le 37, le 22 et le 21. Ok, c'est parti. Le 7, 4, 34, 31, 35, le 9, 23, 44, 43, le 1, 6, 8, 45, 41, le 2, le 15, 40, 26, 16, 30, 33, 49, 32, grosses blagues. Et dernier numéro de ce super 10 ou 200, nous avons le 24. Bah écoutez, c'est officiellement perdant. C'est la catastrophe, les copains. C'est la catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe pour cette session. Voilà, franchement, on enchaîne les catastrophes pour les anniversaires, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Et du coup, c'est déjà l'heure du récap de la vidéo. Investi 28 euros, récupéré 10 euros, c'est pas beaucoup du tout, du tout, du tout. On perd des sous, mais bon, voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Et du coup, on aura récupéré donc 4 euros à l'astro Capricorne, juste ici, parce qu'on a eu 2 Capricornes à 4 euros. Ensuite, on aura récupéré 4 euros ici à l'astro Vierge, pareil, parce qu'on aura eu 2 Vierges pour 4 euros. Ensuite, on aura récupéré donc 2 euros ici à l'astro Lion, parce qu'on a eu 2 fois le symbole de feu à 2 euros. Donc ça fait 10 euros en tout de récupérer. Du coup, les copains, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, hein, faites comme vous voulez. Vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre. Moi, personnellement, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Jeux à gratter. Bisous les copains.